Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique de magie. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc tout d'abord je peux mélanger le jeu. Voilà. Je peux remélanger un petit coup. Voilà. Ce que je vais faire ensuite, c'est couper sur tous les as. Donc regardez bien. J'ai le premier, l'as de cœur. Le deuxième. Le troisième. Et là, je peux demander à un spectateur de me dire stop. Quand il le veut, il me dit stop ici. Et je vais attraper le quatrième. Voilà. Alors, donc, pour les explications de ce tour de magie, donc, comme vous allez le voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Et ça peut vraiment avoir un fort impact sur le spectateur. Alors, donc, j'ai préparé les 4 as. Ce que vous allez faire, c'est simplement récupérer les 4 as. Et venir les positionner juste derrière une carte. Comme ça. Voilà. Et là, vous êtes prêt. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est mélanger le jeu en faisant en sorte de mélanger que la partie qu'il y a derrière les as. Voilà. Vous pouvez bien sûr faire des fausses coupes. Cette fausse coupe là, celle-ci. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire finalement, c'est justement donner l'impression que vous allez couper alors qu'on coupe pas du tout. Donc la technique, c'est venir attraper ici une partie du paquet de cette façon. Voilà. Comme ça on va donner l'impression qu'on va couper cette partie du paquet alors qu'on coupe rien du tout. On fait ça. Et là, on va faire glisser la carte qui se trouve juste dessus. Donc, on lève le paquet. On se situe comme ça. On fait glisser la carte qui se trouve juste là. Comme ceci. Et on vient balancer le paquet. En donnant du coup l'impression qu'on a coupé le jeu. Alors je vous remontre. Je vais positionner une carte sur le dessus, voilà. Je vous remonte ça lentement. J'ai le paquet en main gauche. Je viens couper à peu près à la moitié pour donner l'impression. Je viens couper ici. Je vais faire ce mouvement-là. Donc le mouvement comme si je coupais. Sauf que finalement je vais pas couper puisque je vais juste venir faire glisser la carte du dessus, juste ici. Voilà. Ensuite, je vais refaire la même chose. Je recoupe. Je fais glisser la carte, je donne l'impression que je viens de couper sur l'as de carreau, je reprends ici un bout du paquet, je fais glisser la carte, et je balance le jeu, je donne l'impression que j'ai coupé sur l'as de cœur, et donc pour le dernier, pour sublimer un peu l'effet, vous pouvez demander au spectateur qui se trouve en face de vous dire stop quand il le veut, il vous dit stop par exemple ici, et ce que vous faites, c'est simplement, donc, même chose, vous prenez le paquet, vous faites glisser la carte, et vous balancez le paquet, en coupant du coup sur l'as de trèfle. Voilà, j'espère que cette petite technique vous aura plu, et donc si ça vous a plu, vous pouvez me mettre un petit like juste ici sur la vidéo, et sur ce, je vous dis encore une fois, à la prochaine.